Looking in my eyes, are you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times, so I know my way around. Don't stop looking at Allez, on est mercredi aujourd'hui, tout en haut de la montagne. On a fait le plus dur et il nous reste plus qu'à descendre. Souvent c'est tout le temps plus facile de descendre les montagnes. On est pris dans l'élan là, c'est la côte qui est la plus dure. Alors on est mercredi combien? Mercredi 22 et il est 9h40. Je viens de finir de déjeuner. Ce matin, pour déjeuner je me suis pris du skyr, une banane avec un peu de miel d'acacia dessus. Et les petites graines là que j'achète à... Enfin que j'ai acheté à Lidl parce qu'on ne le trouve plus malheureusement hein. Et je me suis pris les oies à fibres. Je voulais goûter, j'étais curieuse de goûter. Là je vais les emballer correctement. Je vais les mettre dans un plastique pour pas qu'elles prennent d'humidité. Alors elles sont... C'est avec de la farine complète de seigle. Et elles ont plein de fibres à l'intérieur. En fait c'est avec de la farine de seigle et du son de blé. Et ben c'est super bon. Là j'ai mangé ça avec du... fromage de chèvre dessus. Et ben je pense que j'ai trouvé ma petite alternative pour mettre mes tartinades et etc etc au moment des planches et des apéros. Vous savez j'aime bien mettre style des rillettes de thon, des rillettes de sardines, du houmous, enfin voilà, toutes sortes de tartinades. Mais souvent ces choses là ben, on le met sur du pain, mais du coup ça bourre vachement. Et puis en plus bon, le pain c'est bon mais faut pas en manger 40 000 quoi en fait. Et du coup là ouais, c'est en plus c'est pas très alors au niveau de la composition j'avais regardé en fait il y a que 4,6 grammes de glucides par tranche, mais il y a 2,6 grammes de fibres, donc il y a 2 grammes de glucides par tranche, donc ça c'est cool. C'est un IG bas donc c'est cool aussi. Et il y a que 33 calories par petite tartine. Et c'est quand même, enfin voilà, la tartine elle fait tout l'emballage du paquet, donc c'est quand même une belle tartine quoi, en fait. Ouais. Et franchement le goût, je m'attendais à ce que ça soit, je sais pas, très fibreux ou mais là c'est très croustillant, c'est très bon, je vous le conseille. Je voulais vous parler aussi ce matin, j'ai reçu un produit de la marque Luxeol. Alors vous savez que j'adore hein, cette marque. Je suis en train de faire une cure de 3 mois pour la chute des cheveux, et etc. etc. Et enfin c'est pour la chute, pour la fortification, enfin voilà, pour plein de trucs. Et moi je vois énormément de différence depuis que je le prends. Là ça fait un mois que je fais cette cure et je perds beaucoup beaucoup moins mes cheveux. Alors moi je suis anémique hein, donc perdre mes cheveux c'est dû à la maladie en fait, mais là je le vois en fait, mais même au niveau d'ici, enfin voilà, je suis plein de petits cheveux. C'est même embêtant quand je dois les coiffer, là ça se voit aussi, j'en ai plein. En fait le complément c'est sur la pousse et tout, et je le vois vraiment ici aussi, j'en ai plein là. Voilà, donc je suis contente. J'utilise aussi leur shampoing et franchement j'adore aussi. Et là en fait ils m'ont envoyé le spray anti-chute. Donc c'est un spray qui fonctionne dans 100% des cas. Il y a eu 2 tests cliniques faits dessus. Et en fait c'est, je regarde en bas, ça a divisé la chute de cheveux par 2 de tous les testeurs. Voilà, donc ils ont tous vu une amélioration de leur chute d'au moins 50%. En fait ils ont perdu 50% de moins de cheveux par rapport à l'habitude, et tous, donc c'est cool. Donc j'ai hâte de tester et voir. Alors j'aime bien cette marque parce que déjà c'est une marque française, c'est produit en France, donc moi ça me rassure parce que les normes françaises, voilà,
on sait pas les, voyez, on n'a pas les mêmes normes que ça soit en Chine ou en France ou dans les autres pays. Là, le fait qu'on est quand même assez strict en France, donc voilà, ça me rassure un petit peu. Au niveau de la composition, en fait, c'est fait à base d'extrait de pois et de choux marins. Alors pour l'utilisation, il dit de l'utiliser 2 fois par jour, de pulvériser sur le cuir chevelu en insistant sur les zones concernées. Alors moi là où je perds le plus, c'est ici. Alors on le voit un petit peu, mais là vous voyez, hein, c'est vraiment rempli de petites repousses quoi en fait. Donc franchement j'adhère vraiment au produit. Enfin la gamme Luxeol quoi en fait. Ils disent qu'on peut l'associer avec d'autres produits, etc., etc. Donc en fait c'est un petit, je vais vous l'ouvrir, c'est un petit flacon comme ça transparent et c'est un spray. Voilà, donc on pulvérise, on masse un petit peu et puis on fait ça matin et soir. Donc j'ai hâte de voir la différence. Mais comme je vous dis, je vois déjà énormément de différence avec, avec la cure. Donc si ça en plus, je vais me retrouver avec une grosse tignasse comme ça. La tignasse que j'avais à 20 ans, ça serait cool. Parce que j'avais vraiment une grosse tignasse. Je vous en ai déjà parlé, mais j'avais les cheveux à Kim. Alors je sais pas si vous voyez la tignasse de Kim, j'avais vraiment cette masse là. Donc il y a eu les grossesses, les césariennes à chaque fois. Donc à chaque fois il y a une anesthésie, même si c'est local, ça joue sur la perte de cheveux et tout ça. Ah, ensuite, il y a eu... alors, j'ai fait une hémorragie, une grosse hémorragie. J'ai dû être transfusée à Stacy. Et je sais pas si c'est tout ça, en fait, mais ça a créé une anémie, en fait, depuis ce moment-là. C'est surtout depuis Stacy, en fait, que je suis anémique. Voilà. Alors, je sais pas si c'est lié ou... Alors j'ai toujours été plus ou moins basse au niveau de la ferritine et au niveau du fer, mais pas aussi basse que... Là je suis obligée d'être complémentée quoi en fait à chaque fois. Donc ça joue fortement sur ma perte de cheveux. Mais voilà, là franchement, j'adhère. Bref, maintenant que je vous ai parlé de ça, je vais attaquer ma journée. Alors ce midi, au niveau des repas, ce midi c'est du jambon qu'on a acheté hier à Auchan. Avec donc c'est du jambon à l'ancienne fumé, je sais pas trop quoi, avec des crudités. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite après, comme ça elles seront prêtes. Je vais faire un coleslaw, carottes râpées, et il me reste du chou rave aussi que je vais couper aussi, et comme ça ben, je ferai un céleri remoulade. Je sais que Stacy l'aime bien. Et ce soir je vais regarder parce qu'en même temps j'ai pas sorti ma viande. Ah, ce soir c'est des burgers Ijeba. On va tester un pain avec de la farine. Voilà, je vais tester, changer ma recette que je fais d'habitude. On va tester ça avec de la salade. Voilà, ça c'est le repas de ce soir. Donc sinon j'ai rien de prévu aujourd'hui. Cet après-midi, rien du tout, pas de sortie, rien du tout. Ça, j'aime bien en hiver. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais j'aime en hiver être chez moi. Au chaud. Surtout qu'il fait encore bien froid ce matin. Alors c'est marrant, hein, ce matin quand j'étais conduire Stacy, il n'y avait pas gelé. Mais quand on a enlevé la bâche, on sentait que le gel commençait à se mettre à 7h30 en fait. Je pense que si elle aurait commencé à 9h, on aurait dû gratter la voiture. Avec le lever du jour, je pense que le gel commençait à arriver. Et donc on y a échappé. qu'est-ce que je voulais? Ah oui, donc au niveau de la routine, j'ai tout fait au niveau du ménage. Il me reste au niveau du blessing, juste mon blessing, donc les fleurs, donc c'est ce que je vais faire après. Et puis on va attaquer, du coup on va continuer la zone. Alors la zone, je vais faire les portes extérieures de ma salle de bain et de ma de mes WC. J'ai pas de porte à ma buanderie, donc je la fais pas puisqu'il n'y en a pas, c'est logique. Hein. Et ensuite, je vais faire mes toilettes à fond, nettoyer la brosse, détartrer le WC. Et je voudrais faire aussi l'intérieur de mon armoire dans les WC. J'ai un petit lave-main avec une petite armoire en dessous. Donc, je voudrais faire ça aussi et donner un petit coup sur mes murs. Voilà, ça, c'est au programme d'aujourd'hui. Allez, on va se motiver. Mais d'abord, avant d'attaquer le ménage, je vais faire aussi 2 pains. J'ai du pain pour du pain mou. Je voudrais tester, alors je ne sais pas ce que ça va redonner. Mon levain, je l'ai réactivé. Et je vais retester de faire un pain. Là, il commence à bien gonfler. Donc, on va tester ça. J'espère que... On va croiser les doigts. Je pense que je vais lui mettre un petit peu de levain fermenticide dedans pour l'activer un petit peu et lui donner un petit coup de pouce. C'est souvent ce que je fais quand...
mon levain est faible en fait. Il faut vraiment que votre levain devienne très très fort pour avoir des beaux pains. Et il faut quand même quelques semaines. Donc souvent pour lui donner un petit coup de pouce, je l'aide en mettant du levain fermenticide. Le levain fermenticide, on le trouve dans les magasins bio. Là où il y a toutes les levures et tout. Voilà, si vous voulez savoir. Je pense même qu'on en trouve à Auchan, dans le rayon bio. Je me demande si on n'en trouve pas. À voir. Allez, je vais attaquer ça. Donc d'abord on popote et ensuite on fait le ménage. Hold it tight. Look at the paintings. I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit? But there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much and Van Gogh might take a while. But thank you for coming. I know that you're trying to do anything to make me smile. I'll have a cup of tea while you have a latte for both you and me. The caffeine will make sure that you don't fall asleep, 'cause darling, you're sleepy, eyes are closing. Alors je suis contente, j'ai eu le temps de tout faire ce matin. En fait, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de couper les crudités, etc, etc. On se dit on va faire des crudités, ça va vite, mais en fait compte, voilà, le temps de les râper, de les éplucher, de les couper. J'ai même pas eu le temps de finir mon infusion du matin. Ben, allez, je vais sortir le jambon puis on va pouvoir manger. Donc du coup j'ai arrosé les fleurs, j'ai fait mes portes, j'ai nettoyé mon lave-main, j'ai nettoyé mon WC à fond, détartré le WC. Alors pour le détartrer, ce que j'utilise, je vous l'ai déjà partagé, hein, je fais chauffer du vinaigre. Une fois qu'il est bien chaud, je vais dans la cuvette et je vais avec une brosse retirer le maximum d'eau. Alors après, si vous voulez, vous pouvez retirer au truc, hein, mais ça se remplit aussi vite. Donc il faut vraiment tout retirer avec la brosse. Et une fois que vous avez pratiquement plus d'eau à l'intérieur, vous rajoutez le vinaigre chaud. Alors moi, j'ai jamais pété ma céramique, il n'y a jamais rien eu. Pourtant, je le fais depuis
beaucoup d'années. Je pense qu'en fait avec le mélange d'eau froide qui reste un tout petit peu, ça tiédit et voilà, ça se... voilà, il n'y a pas de risque quoi. Logiquement, il n'y a pas de risque. Moi, ça me fait rien. Je suis floue. Voilà. Et ensuite, j'ajoute de l'acide citrique. C'est vraiment le combo parfait pour avoir une cuvette des toilettes nickel. Donc après, je brosse un petit coup, je donne un petit coup bien partout. Je laisse la brosse à l'intérieur, comme ça, ça me permet de la désinfecter en même temps. Je ferme la cuvette et je laisse agir comme ça une petite demi-heure. Donc là, c'est ce que ça a fait. Je l'ai fait avant de partir. Voilà, ou après vous pouvez le faire le soir aussi avant de monter, si vraiment votre cuvette est vraiment très très entartrée, vous pouvez le faire le soir pour être sûr qu'il n'y a personne qui va utiliser les WC. Mais bon, une fois que c'est fait régulièrement, après il n'y a plus besoin de laisser agir X temps, moi c'est fait tous les mois et voilà, nickel. Et ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait l'intérieur de mon petit lave-main et j'ai nettoyé mes murs. Voilà, donc tout a été fait ce matin. Et au niveau de la popote, j'ai fait du coleslaw. Alors coleslaw, c'est mélange de choux, carottes, oignons, mayonnaise et oulala, voilà, mayonnaise et là j'ai mis du fromage blanc, voilà, carottes râpées, sel, poivre et un petit peu de sucre aussi que je mets, un tout petit peu de xylitol, j'ai mis même pas une cuillère à café. Céleri remoulade, alors moi je fais mélange, je vous l'ai dit hein, la semaine dernière, je fais mélange moitié mayo et enfin même moins de mayo que de... Là j'ai mis 50 g de mayo et 100 g de fromage blanc. Voilà, là c'est du fromage blanc que j'ai mis. Alors là c'est le pain au levain à l'épeautre que je suis en train de faire lever, on va voir si ça fonctionne. Et le pain tout mou là, tout tendre, que les enfants et chéri aiment bien. Et ça c'est à chaque fois, je vous dis, hein, je fais en préparation... Pour ce pain là, à chaque fois je fais le mélange à l'avance, comme ça j'en ai toujours au frigo. Ça se conserve très bien quelques jours sans souci. Et au moins, quand je dois faire un pain, voilà, j'ai toujours la préparation qui est faite, parce qu'il faut la faire la veille logiquement, ou au moins quelques heures avant, le temps qu'elle pose. Et puis j'ai fait aussi de la mayo maison pour pouvoir faire justement les crudités. On va manger les loulous. Et en fait, la mayo, je vais m'en servir aussi ce soir pour les burgers. Je vais essayer d'improviser une petite sauce maison pour éviter qu'ils utilisent leur sauce chimique qui reste. Alors, ils finissent les pots, hein. Mais après, logiquement, on n'en achète plus. On a fini de manger. Greg est rentré. Il a mangé aussi. Maintenant, là, c'est le moment du café. J'ai testé le lait de soja vanille dans mon appareil et ça marche du tonnerre. On a une belle mousse. Donc c'est celui-là. C'est celui-là marque au champ. Soja vanille. Voilà. Alors je bois du lait de vache. Hein, je vous l'ai déjà dit. Hein, c'est juste parce que le goût. J'aime bien en fait le lait d'amande, le lait de noisette et tout. Ça me permet de faire des cafés aromatisés. Sans trop ajouter de sucre. Parce que autrement il faudrait mettre du sirop. Vous voyez les sirops aussi. Les morins ou les choses comme ça. Mais voilà, ça rajoute des calories. Ça rajoute du sucre, du glucose en plus. Je pense que c'est ça. Donc du coup voilà. Et bien sûr avec mon petit café, carré de chocolat, le 100% que j'adore. Ouais. Je vais prendre mon PC et je vais aller travailler un petit peu. Greg m'a allumé la cheminée, donc je pense que je vais m'installer sur le canapé devant la cheminée à travailler. Il est 4h30. Je vais commencer par faire les buns pour ce soir. Donc je vais faire des buns à Ijeba. Donc je suis partie sur la même recette que je vous ai partagée la dernière fois. Enfin, c'est ma recette de buns que je fais que normal ou à la farine complète. Donc la dernière fois, il est sur le blog, je vous l'avais partagé, la farine complète. Là, en fait, je vais le faire avec de la farine d'épeautre complète. Donc avec un IG encore plus bas. Voilà, donc du coup je vais faire quelques petits changements au niveau de la farine. Là j'ai mis 500 g de farine du coup de la T150 de Grand Épeautre. Je vais mettre je vais vous montrer les changements. Alors du coup là j'ai la farine la farine de Grand Épeautre, du sel, de la levure. J'ai ajouté pour avoir du xylitol, 15 g de xylitol, et j'ai ajouté pour la texture, comme il y a un peu moins de gluten dans la farine d'épeautre, j'ai ajouté de la gomme de xanthane. J'ai juste remis une cuillère à café, on verra ce que ça donne au niveau de la texture. Et j'ai mis un petit peu de gluten pur aussi, juste 15 g, pour être sûr aussi que voilà, ça me fait pas un pain
tout compact. En fait, c'est ça que j'ai peur. Je veux vraiment un pain tout moelleux. Et autrement, au niveau des autres ingrédients, donc je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai mis du sel aussi, je pense que je vous l'ai dit. Un œuf et je vais mettre du lait et de l'eau. Voilà, toutes les ingrédients sont en barre d'infos, hein, si vous le voulez. Et après, on va bien pétrir ça pendant au moins 10 minutes. C'est le pétrissage. Alors à chaque fois, j'insiste, hein, mais c'est le pétrissage qui fait que vous allez avoir un pain qui soit bien aéré, bien moelleux, parce que c'est pendant le pétrissage que se crée le gluten. Donc même quand c'est une quand c'est une farine qui n'a pas de gluten, là il y en a un petit peu, hein, dans la farine des potres, elle n'est pas sans gluten, hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle en a moins que dans la farine de blé. Donc du coup, c'est pour ça que j'en ai rajouté. Mais voilà, c'est ce qui fait que le pain est bien moelleux, bien aéré. Donc je vais prendre je vais mettre les liquides, donc l'huile d'olive, l'eau, le lait, l'œuf, et je pétris pendant un bon 10 minutes. Une fois que la pâte est bien pétrie, on la filme et on la laisse lever à température ambiante. En fonction de la température ambiante, elle va lever plus ou moins vite. Alors j'ai dû mettre pas mal de liquide, hein. En fonction de la farine que vous allez utiliser, vous allez devoir jouer au niveau de la quantité d'eau. Enfin voilà, parce que la farine complète boit plus avec les fibres en fait qui est à l'intérieur, elle boit énormément. Alors j'ai sorti aussi le pain, hop, que j'ai fait cuire aussi, le pain tout mou que les enfants adorent et que chérie aussi, qui a remplacé sa petite gaufre du matin. Voilà, en fait il déjeune avec ça maintenant. En fait Greg ne déjeune pas, mais après c'est vrai que je le comprends, hein. Il se réveille à 3h du matin, il n'a pas forcément envie de manger une tartine ou quoi à 3h. Donc du coup il prenait une gaufre pour 10h. Mais avec notre changement d'alimentation, bah, il a remplacé la gaufre par du pain. Donc le pain, c'est à la farine blanche, hein, à la T65. Mais c'est vrai que peut-être que je pourrais essayer avec une T85. Elle est un petit peu plus un peu plus complète, on va dire. Mais voilà, je me dis que c'est toujours mieux que la gaufre, quoi, en fait. Hop là. Même les enfants à 4h ou quoi, ça leur arrive d'en manger, mais c'est la même chose, quoi, en fait. Faut mieux que ça soit ça. Hop, je mets sur le côté, je vais laisser refroidir. Je vais laisser ça aussi finir. J'ai mon levain, mon pain qui a pas trop levé. Alors je vais voir, je vais quand même essayer de le faire cuire. On verra bien ce que ça donne. Mais j'ai peur que à la cuisson, il me fait un truc. On verra. D'habitude, quand je fais un pain des potres, je fais un mix entre la farine des potres et la farine T65. Là, j'ai mis que farine des potres. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le levain? Voilà. On verra. Comme je vous dis, je vais quand même le faire cuire. On verra bien. Voilà, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter la vidéo de ce soir pour gagner un petit peu de temps. Comme j'ai plus rien à faire. Voilà. J'ai ma pâte qui a déjà bien levé. On voit qu'il fait chaud maintenant à la maison. Là, je suis bien. La cheminée va et tout. Là, ça. Ouf. Je suis juste bien. Alors, je vais justement aller voir après. Parce que je voudrais pas qu'elle tombe, qu'elle reste avec des belles flammes jusqu'à ce soir, que je puisse m'installer après ma douche avec une petite tisane. Ça, c'est le pied, ça, hein. Bien emmitouflé dans une couverture, là. Je cherche ma... Alors, ma corne. Voilà, elle est là. Hop. Alors, je vais couper les pains. J'ai enfourné mon pain au levain et en fait compte... Alors je l'ai enfourné une demi-heure avec le couvercle. Au bout d'une demi-heure, on retire le couvercle. Et j'ai l'impression, quand j'ai enlevé le couvercle, qu'il avait l'air d'être beau. On verra à la sortie, mais c'est la bonne voie. Allez, je vais former mes pains. Alors je vais essayer de faire des petites boules d'à peu près 80 grammes. Je vais voir ce que ça donne. Je suis contente parce que ça a bien levé. Donc c'est que... ça fonctionne, c'est qu'on va avoir des beaux pains. J'avais un peu peur avec quand on fait, comme je vous ai dit, hein, quand on fait de la farine, dès qu'on utilise de la farine un peu plus complète, à chaque fois on a des pains qui sont très denses. Et voilà, c'est moins. Enfin, c'est bon, mais c'est moins plaisant, quoi, en fait. C'est mieux d'avoir des pains bien, bien aérés quand même. Un minimum, quoi. Pas avoir de la brique. Et je forme mes pains et je vous montre
quand ils sont cuits. Alors j'ai formé les pains et je les ai laissés relever. Je les ai juste dorés, enfin avec un pinceau, avec un peu de lait pour éviter d'utiliser un œuf. Maintenant c'est ce que je fais, même avec mon pain ici, c'est ce que je fais, je le badigeonne au lait. Et une fois qu'il sort du four, quand il est encore chaud, pour avoir bien le côté bien brillant comme ça, et ben je rebadigeonne du lait. Quand il est encore bien bien chaud, quand il vient à peine de sortir du four, du coup ça fait un côté bien brillant, comme si qu'on avait fait avec un œuf. Ça économise un œuf, comme je vous avais dit, quand on voit le prix des œufs. Et à chaque fois on n'utilise pas tout quoi en fait, donc c'est malheureux parce qu'on jette la moitié de l'œuf. Là voilà, c'est une bonne alternative. Mon pain, vous voyez, il a bien griffé et tout, je suis contente. Donc c'est un pain complet, hein, donc forcément il lève moins, mais ouais, on verra à l'intérieur, mais il a l'air d'être chouette. On verra. Alors peut-être que mon levain a commencé à bien prendre, et ça va être cool de pouvoir refaire du pain. Donc là du coup je vais enfourner mes petits pains pour une vingtaine de minutes, jusqu'à ce qu'ils soient bien gonflés et bien dorés. La température du four, 180, je ne mets jamais très très fort, je préfère rajouter du temps au besoin, plutôt que de... Voilà, que de mettre trop fort. Allez, c'est parti. Pour une vingtaine de minutes. Je suis contente, j'ai l'impression que mes pains, ils ont bien réussi. On verra l'ouverture, mais voilà. Donc, je les ai mis un petit peu moins de 20 minutes, 18 minutes, ça dépendra de votre four. Ils sont vraiment tout, tout mous. On verra à l'ouverture, mais franchement, ouais, je sais pas si vous voyez, mais ils sont mous. Donc, voilà. J'ai préparé aussi ce qu'on va mettre à l'intérieur, donc du bacon, ça va être un cheese, bacon cheese, bacon, cheese, fromage, du gouda, oignon rouge, c'est les concombres marinés là en saumure, salade, tomate, j'ai fait une salade pour accompagner ça aussi, je vais faire cuire les steaks après, et j'ai fait une petite sauce, style sauce au poivre. Donc en fait c'est avec la mayonnaise que j'ai fait ce midi, j'ai ajouté ça. Alors je sais c'est chimique, hein, enfin c'est chimique, c'est industriel, c'est pas un produit voilà, super clean. Mais en fait j'ai mis qu'une cuillère à café dans un pot de mayonnaise. Donc je me dis, voilà, ça fait qu'une cuillère à café dans un gros pot, donc il y a beaucoup plus de fait maison que d'industriel. En fait c'est une sauce que j'ai trouvée chez un grossiste asiatique, et donc c'est sauce au poivre. Je pense que c'est pour faire des steaks au poivre ou des choses comme ça. Et quand on regarde au niveau de la compo, en fait il y a de la sauce soja, il y a de la sauce huître, du sel, alors de la pâte de tomate, du poivre noir en poudre. Il y a de l'ail déshydraté, de l'amidon de maïs, de l'huile de soja, de l'eau, du sucre. Voilà. Bon, après, la compo, elle n'a pas l'air d'être non plus catastrophique. Hein, mais voilà. Bon, après, je me dis, une cuillère. Bon, après, il y a des, il y a du colorant dedans et de l'acidifiant. Mais bon, comme je vous dis, j'ai mis qu'une cuillère à café. Donc, ça ne fait pas si pire, quoi. On va passer à la table. Donc, je vous montre le résultat. Du burger. Ouh, la lumière. Allume la lumière, chérie. Voilà. Alors, j'ai coupé. Et en fait, nickel à l'intérieur. La mie et tout, elle est bien, je vous ai dit, moelleuse. Et puis, donc on verra. Voilà. Ça sent bon. Un beau gros burger. Avec de la salade. Il est 20h15. On a fini de manger. Cuisine pratiquement rangée. Il reste plus grand chose. Je vais clôturer maintenant. Je vais aller finir de monter le vlog. Alors les pains étaient très bons. Ils n'ont vu aucune différence pratiquement par rapport au pain de d'habitude. La mie est juste un tout petit peu plus dense. Mais voilà, c'est, ça fait le job. Pour le pain au levain, alors je l'ai coupé et je l'ai mis dans un sac faussage. J'ai juste fait légèrement le vide, juste pour qu'il garde, le garder frais plus longtemps. La mie à l'intérieur, elle est bien aussi. Bon, il manque un tout petit peu de levée, il est dense, mais après c'est un pain complet, donc c'est un peu normal. Mais franchement, ouais, il est bien aussi. Je suis contente, mon levain reprend bien... reprend bien vie. Parce que, sans mentir de rien, les pains au levain à Auchan, à la farine d'épeautre... On les paye 2,50€ le tout petit pain de 300 grammes, c'est ça? C'est 2,98€. 2,98€ pour un petit pain de 400 grammes. Donc, hein, ça vaut le coup quand même de le faire soi-même. Hein. Voilà, donc je suis contente d'avoir... Alors mon levain, je l'avais mis au frigo, genre, ça faisait un moment que je n'en avais pas fait avant Noël, même avant Noël, au décembre. Je pense même que le dernier doit être du mois de novembre, parce qu'on mangeait moins de pain. Et là du coup j'en refais et j'ai repris mon levain, je l'ai nourri, je l'ai renourri,
Voilà, jusqu'à ce qu'il reprenne bien consistance. Je pensais vraiment qu'il était mort parce que le fait que je l'avais laissé oublier dans le frigo comme ça, je pensais que... Mais en fait, compte non. Donc je suis contente. Bon allez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Vous souhaiter de beaux rêves, une belle journée si la journée commence pour vous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain. Look at the paintings, I'll be your guide.